Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, amis comme on va descendre. Bonjour, bonsoir, jeudi, c'est mardi 25 juillet 2023. Moi, je suis content que nous rencontrons encore l'autre fois. Viens nous te rencontrer, nous faisons un bon petit palais. Jeudi, nous faisons un autre petit palais encore, qui est beaucoup plus intéressant. Parce que chaque jour, nous parlons, il y a un intérêt, il y a un sujet par eux, il y a une importance par eux. Ça dépend de qui ça que nous devons entendre. Nous devons parler en petit bagaille. On a commencé avec l'actualité sur l'international, officiellement les États-Unis retournés dans l'UNESCO. Et donc c'est une annonce que d'abord c'était l'ancien président Donald Trump qui était aux États-Unis dans l'UNESCO. Bon, on n'a pas de raison de débattre, on n'a pas de justifier la décision. Bon, après l'administration, nouvelle administration vient sur le pouvoir, on a parlé de l'administration démocrate là, avec le président Joe Biden, et bien il était annoncé que les États-Unis ont retourné dans l'UNESCO, comme les États-Unis ont l'autre agence internationale que les États-Unis qui là-dedans, le président, l'ancien président et Donald Trump, il a même retiré les États-Unis là-dedans et il a expliqué les raisons. Même OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tout le temps retiré les États-Unis là-dedans, dans l'époque du dossier et COVID-19, là, que le terrain, OMS responsable. Et ça qui est passé à comme quoi, ouais, c'est pas pour dire la vérité dans le résultat, la recherche qu'il était joint, il était accusé, ou bien dit que le virus qui va être utilisé en Chine qui était sorti, ou bien sinon le laboratoire sinon que il était sorti. En tout cas, les États-Unis retournent, et sans grand pampan, les États-Unis retournent, c'est le premier dame, et Bill Biden, et lui-même tout, lui représente les États-Unis dans la cérémonie, c'est là. Et actualité a toujours, et la Russie toujours, et dans bouche d'ouvrir avec l'Ukraine, et appel à penser pour que la Russie retourne, ou bien retourne sur décision du plan pour menacer, pour soutenir un accord et distribution céréales là, céréales ukrainiennes à travers le monde, et pendant que menacer bateau qu'a utilisé la main noire pour transférer pour céréales dans l'autre côté à travers le monde. Bien tout, et ça c'est appel capable pour la Russie tout une décision ça, mais là aussi entre temps tout, les non-bouches ouvertes avec l'Ukraine sur la question de drone, ou bien encore que l'État a accusé l'Ukraine comme quoi qu'a prouvé drone et voué drone pour aller exploser dans la capitale la Moscou. Pendant que on sait des attaques la Russie lancé tout, et bien c'est usé, c'est détruit, a détruit, c'est de propriété. Qui en Ukraine. Pour des gens qui blessés, des gens qui écrasés, on se débat. Donc, ça peut pompier en Ukraine, pas de temps pour dormir, tellement ils ont un travail, tellement ils ont essayé à laisser tuer. Toujours une actualité, bon, moi, si l'autre bas, nous avons parlé d'une actualité internationale là, qui est censée avoir une importance que nous avons connaître. Et la République dominicaine continue à faire un plaidoirie pour Haïti. Congrès américain, en particulier le Sénat, qui pour les réunir sous dossier Haïti a pu reconnaître la façon que les États-Unis sont capables d'aider et dans la demande que Haïti fait pour que tu aies une force militaire et robuste qui est allée en Haïti à la compagnie de police nationale là, pour aider à combattre la crise là, et aider à combattre les gangs armés qui continuent à assumer la terre. Monsieur, il a fait la pluie le beau temps aujourd'hui après la population qui est venue encore. Non, on peut assurer l'opération Bois-Calé, mais on peut assurer des consales tombées. Donc, qui appelle des groupes d'oiseaux humains, deux groupes d'oiseaux humains et RNDDH avec Défenseur Plus, et bien, ils ont lancé au moins des populations en fait, pour à venir en main. Donc, il faut qu'ils défendent les plis, donc, au moins des encore pour prendre la rue, pour les sachets cassés, faits, les améliorés qui ont commencé l'opération encore. Par exemple, il y a une base Grand Griff qui est dans la base anti-Bolitlan. Et monsieur mène une opération dans la zone de Yankou. Côté que monsieur a boulé caille, il a blessé les gens, il a tué les gens, et il a boulé une station radio. Et il y a une autre opération menée par exemple dans des bouquets, côté attaqué une usine qui a fabriqué et une usine qui a fabriqué un mur, après si je me change de non, et bien ils ont attaqué lui, côté là avec machine, et les machines font un paquet de dégâts, etc.
Donc ça c'est dans la zone Croix des Bouquets, dans zone Croix des Bouquets. Et mais c'est pas un baban que non, c'est un lot et un lot usine qui dit même tout à fabriquer on les mêmes produits à utiliser mais son lot c'est pas baban. Et puis il y a usine n'a pas arrivé donc, non. Et puis il y a tout et hier, c'était hier dans un groupe président dans mon qui habite Tabar, et bien mon ça il y a devant l'ambassade américaine là pour faire chercher refuge après bandi négamet attaqué journal dimanche, mais mon yo censé être marché devant l'ambassade américaine là dans Tabar et très probablement pour demander secours mais nouvelle pas trop rapporté, est-ce que il y a un diplomate américain qui parle avec eux, qui s'appelle exactement, mais son dossier qui n'a pas suivi. Et correspondant à Machado, Binme, sous place, il même la paix sur le dossier pour nous dire qui ça, qui dit et qui ça, qui fait tout concernant le groupe qui a cherché refuge parce qu'il dit, et aussi si la vie est menacée, et c'est ça fait que de l'ambassade d'accord, nous pensons qu'il est capable d'un refuge. Et contre les amis. Et puis, il y a un gouvernement américain qui a signé l'État Texas, dans pas l'administration. Ici, c'est comme ça la démocratie a fonctionné, pas une bataille. L'État a fait un bagage, le gouvernement fédéral n'est pas content, et puis là, l'antipion a fait. Mais le gouvernement américain a signé le gouverneur d'État Texas, là, Greg Abbott, pour peut-être installer une barrière flottante dans Rio Grande qui pour bloquer ou bien empêcher les immigrés de traverser Rio Grande pour venir demander asile au Texas ou bien demander asile aux États-Unis. Le gouvernement dit son menace d'abord pour sécurité, son menace tout pour immigrants, son menace pour l'environnement et puis risque tout que les immigrés fassent face les paraître et dans la barrière flottante. Mais l'État de Texas répond. Le gouverneur Greg Abbott répond au gouvernement fédéral. Là, il dit que devant l'aide Bali, il dit que c'est droit à nous en tant qu'État pour nous protéger le territoire, nous. C'est droit pour nous installer une barrière pour empêcher mon entrée. Donc, c'est parce que les gens nous font lire parce qu'ils n'ont fait pas rapport à la parce qu'ils n'ont pas fait tout. Ça, on doit faire. Cependant, c'est pas la première fois que le gouvernement fédéral, là, nous bouche, nous bruit avec l'État Texas. Sous ingérence, l'État Texas dans les affaires, dans le travail du gouvernement fédéral. La question immigration, il dit que ce travail. C'est où le gouvernement fédéral la question de l'immigration pour les limiter les gens qui appartiennent dans le pays, légal ou illégalement. Donc, le gouvernement, et en 2021, le ministre de Justice, qui dit même que. Qui dit même que. Hello. Can I be on the news too? I'll show you on the news. What channel? No. What channel? VOA. What channel is that? Il m'a dit que channel nous est. Il m'a dit sur la voie de l'Amérique. C'est ça? Ouais, you did see yourself, je souhaitais tout, voilà, au content. D'accord. Bon, c'est comme ça, alors, parler de toujours bon monde qui pouvait, ben, quand puis font des blagues avant. Et, Libis, on a qui canal, que il va le regarder, tête, etc. Et il m'a dit, mais c'est capable de la nouvelle là, tout. Et ça fait grand plaisir. Donc, on a parlé du gouvernement d'État Texas qui n'ont pas suivi avec l'administration américaine. Mais l'administration américaine, le gouvernement d'État Texas a dit à l'administration, ok, pas un problème, on mène dans le tribunal. N'après dans le tribunal, il n'y a pas de discuter de question, mais il y a une administration responsable. C'est parce que l'administration n'a pas fait assez. Qui fait que pour te décourager les immigrants, faire dangereux ça, puis venir chercher une aide aux États-Unis. Parce que l'administration fait plus. Et les directeurs de l'équipe de côté, nous-mêmes, nous avons empêché d'entrer. Et c'est raison que nous avons installé et barrières flottantes. Je vais vous parler de ça dans le journal et radio sur télévision et après-midi, ce qui sont là même. Et nous avons une réaction sur la maison blanche, tout sur cette question-là. C'est un dossier qui est aussi important parce qu'il y a des immigrants, il y a plus d'immigrants qui sont et des immigrants qui trouvent du côté Mexique et qui ont toujours besoin de venir aux États-Unis et qui ne peuvent pas venir, soit parce qu'ils ne peuvent pas rendez-vous, ou pour qu'ils ne rendez-vous. Et il y a des immigrants qui décident de faire ou là. Traverser le fleuve Rio Grande et illégalement traverser et puis ouest sur le. Mais cependant, dernièrement, tu as un sept troupeur, un soldat, qui t'a écrit un message pour te dire que tu as empêché le bail immigrant et de l'eau, par exemple, les immigrants sont sortis sur le fleuve. Si nous sommes dans une zone
des élèves qui ont fait en pile. Et bien, il dit que n'y a pas d'encourager. Mais sur l'administration et le gouverneur a dit qu'il n'y a pas d'un peu de ça. Comme le gouverneur l'État Arizona a dit qu'il n'y a pas un peu à ça que tu as parlé. Mais il y a une nouvelle rapporte d'un peu d'immigrants qui essaie de traverser le fil barbelé. Et bien, il y a blessé. Yo blessé dans ces circonstances là et pas qu'à une soin mais gain et soldats ça qui font l'être et bien demander à ce que gain un changement qui fait dans politique là pour façon pour pas décourager les migrants venir c'est vrai mais les migrants venir au moins permettre que ils capable une soin ou s'il t'a gain des choses s'il t'a déshydraté etc pour au moins t'as une assistance mais et gouverneur et dit que même il pas empêché ça fait donc c'est pas un bail comme ça. Donc son dossier qui a été oublié encore et que l'administration dit lui-même la mené en enquête même sous dossier là pour connaître et qui prévient et qui répond parce que les immigrants qui viennent dans la zone ça ne pas capable d'une assistance ou bien pour permettre que barrière ça que vous mettez avec le tubabelé que tu es capable de l'ouvrir et faire des immigrants qui ont un problème de rentrer, ils prennent soin et dépend de ce qu'ils sont capables de faire avec eux. Donc son dossier qui est devant le tribunal et puis, on a gagné le processus de la paix. Nous avons deux gangs qui mettent ensemble, qui étaient signés, qui étaient d'accord pour ne pas attaquer l'autre. Eh bien, le monde s'est dit qu'ils sont bien contents que ça fait, mais ils ont toujours gagné une sorte de méfiance. Parce que le fait que deux groupes ont signé pour ne pas gagner la paix, pour faire la paix entre eux, pas veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas aller mener une attaque ou bien comme une opération de l'autre côté. qui pas côté qui pas dépend de côté de juridiction côté à parler. Donc ça veut dire que c'est des messieurs qui décident ou dit que nous capables n'a faire la paix. Donc mais on méfiance quand même et groupe d'assumer mais même dit oui nous bien content que ça fait mais nous pas quoi vraiment en réalité parce que depuis il y a pas des armes monsieur pas déposer des armes il est toujours capable de tendance puis il y a une à l'attaquer pour il y a une l'autre à l'attaquer l'autre monde. Et si bien que l'opération kidnapping n'a pas été par exemple, appel que tu as pensé pour que les gens qui kidnappaient et ancien président du Conseil électoral provisoire n'a pas été Pierre Duropon, et bien pour être libéré parce que monsieur est en mauvaise condition, il a souffert, il est malade, etc. Et bien on m'a demandé pour que ça t'a libéré monsieur, pour que monsieur réunir avec famille. Mais jusqu'à présent, depuis 20 juin, date que il a été kidnappé ancien responsable électoral provisoire, mais depuis le ça. Ben, monsieur n'est pas jamais libéré. Donc, situation toujours grave. Et puis, nous avons dit défense plus avec RNDDH, et bien, au même tour, il y a demandé la population pour le prendre défense, pour le défendre. Contre activité criminelle ou activité kidnappée à mener, etc. Même aux gens qui ont fait l'opération et opération Wakalea. Et là, tu m'as déposé ça pour t'accompagner, pour te serrer le boulon, monsieur, et kidnapper. Ça t'est fait. Mon tape cherche, ou t'es capable de kidnapper dans le moment ça. Eh bien, je dis à kidnapper, retourne en réactivité encore, et on continue à mener opération un peu partout, et dans le pays, et surtout dans la capitale haïtienne, dans le Port-au-Prince, côté à kidnapper docteur, kidnapper journaliste, etc. Donc, monsieur, pas dormir eux-mêmes, je continue à faire. Et c'est entre-temps, il y a une activité qui a fait tout. Démarche qu'a fait tout pour être citoyen, une force multinationale qui vient en Haïti et le gouvernement lui-même, c'est dans tête idée pour être simulé à venir, pour venir aider pour ça, combattre l'insécurité. Et puis, il y a toute activité soit fait et accord 21 décembre non, avec les groupes politiques, groupes, acteurs politiques qui signent déclaration et les déclarations qui sont là, soit fait. Et lui bloquer, mais comme tu dis même, lui au moins, on fait de route, mais il est capable de travailler parce que les groupes qui signent des déclarations et Kingston, non, et bien, même, ils veulent pour un gouvernement à deux têtes qui vont mener le pays vers les élections. Alors que les supporters et le Premier ministre Ariel Henry, ensemble avec, et eux-mêmes, ils sont à 21 décembre, et bien, même, ils ont en faveur d'un gouvernement unique à une tête. À qui a bien été un premier ministre, mais il est d'accord pour l'élargissement et conseil et ACTA au conseil de transition pour venir mettre la 7 membres au lieu de 3, et puis tout pour qu'on passe les mecs en gouvernement, et puis le travail qu'il fait encore jusqu'à ce qu'il y ait élection pour dérouler. En attendant, c'est là que le point est le gardien,
Donc c'est là que acteurs concernés ont bloqué là et CARICOM dit que il est capable de travailler sur le dossier ça pour voir dans quelle mesure que acteurs capables de entendre entre eux. Et puis il y a une manifestation tout en Israël tout contre le premier ministre Netanyahu, dernière décision prend là dans la soit faire réforme judiciaire. Et bien, les populations pas contentes, et bien, ils ont manifesté. Et bien, les mêmes pays étrangers, parmi eux, les États-Unis, qui ont été conseillés pour le ministre, pour ne pas aller dans la direction ça. Et parce que ça a créé des problèmes. Et effectivement, ça a créé des problèmes. Activité sur le football, maintenant, hier soir, on va dormir. Match. Il y a un match hier soir à 10h du matin. 10h du soir, il y a un match à 1h30. Il y a un match à 4h. On va suivre tout le match. Alors. Entre sommeil réveil, dormi levé, dormi chat, dormi fermé, je me relève encore. Il y a des gols qui ne sont pas ouais, il y a des gols moins ouais, et il y a des actions tout, moins ouais tout, mais ben là, je vais là-dessus. En tout cas, bon, ben, nous on petite nouvelle très rapidement. Pour aucune équipe qui qualifie jusqu'à présent, qui est capable de qualifier, je dis à nous entrer dans la deuxième journée, ou bien deuxième journée, phase de groupe. Alors, le dernier match qui a gagné en phase de groupe, là, c'était l'équipe Colombia, mes amis. L'équipe Colombia qui a remporté encore une belle victoire. Et gagné. Une belle victoire. En tout cas, on va dire que ça a passé qu'il y a un groupe A. C'est comme ce groupe A qui commençait deuxième phase, deuxième journée. Hein. Et bien, gagné, mes amis, Philippines, Suprême, Nouvelle-Zélande. Première victoire. Et équipe féminine et philippine en côté dans en Coupe du monde victoire 1-0 yo bay fidéo bay Nouvelle-Zélande un bout de goal et bien monsieur mesdames yo défendre bout de goal là jusqu'à la dernière minute monsieur yo malgré toute attaque équipe Nouvelle-Zélande a lancé qui t'a vu la Cali devant pas public li et bien équipe philippine kembe là jusqu'à ce que yo remporte la victoire donc bah là pas tellement clair dans groupe ça. Et tellement vrai, il y a une équipe la Suisse, nous avons quitté commencé la compétition, bien quitté bien commencé la compétition, et bien la Suisse, la Norvège qui sont favoris, côté importé groupe là, et bien la Norvège et la Suisse qui met la Norvège en échec avec une machine 0-0. Donc c'est comme ça, ça y est. Alors, au groupe ça lui-même, il y a la Suisse qui domine le groupe là avec 4 points, donc pour qu'on qualifie là-dedans. Et la Nouvelle-Zélande, co-organisateur de compétition, gagne 3 points. Et puis, les Philippines, qui gagne 3 points. Et puis, la Norvège gagne Ukraine. Rien n'est pas décidé. Une équipe capable de qualifier avec 4 points. Avec 4 points, une équipe capable de qualifier. Deux équipes capables de qualifier. Une capable de qualifier à 4 points, l'autre capable de qualifier à 4 points. Donc, ça veut dire, prochain dernier jour, dans le groupe A, il parle décisif. Tous les 4 équipes ça va chercher une en deux places et une en deux places et qualificatif et pour phase de choucage là. Donc veillez là pour moi jusqu'à présent. Et puis il y a un match aujourd'hui. Alors, il y a un match demain à 1h du matin. Pas dormi Japon. Le Japon t'es passé Zambie, un swift. Un bon swift, oui, mes amis. 5-0. Et bien Japon a pas coûté avec Osaka. Qui lui-même pas bien démarré la compétition, hein, parce que Costa Rica a perdu devant l'Espagne, et puis il y a l'Espagne lui-même qui a rencontré avec Zambie. Donc là, nous avons idée au moins. L'équipe qui remporte le deuxième match, il y a, et bien là. Même pour le moment, ça, même si on a perdu un match dans le premier tour là, ou bien premier match dans le groupe là, même si on a perdu un match, on peut éliminer. Même si on a perdu. Nous faisons match pour beaucoup éliminer. Ça va dépendre de qui chauffe dans le deuxième match. Parce que les bagages ne sont pas faire encore là perdre le premier match. C'est qu'à prendre le pays qui perd le premier match. Et qui va battre. Puis il y a l'autre match tout. À 8h du matin. Non, mais à soir, bon match à soir. Il y a les États-Unis qui ont joué à soir. Qui ont joué contre la Hollande. Bel match. Parce que là, et puis il y a. Et puis à 8h du matin, à 3h30, il y a Espagne contre Zambie. À 1h du matin, il y a Japon contre Costa Rica. À 3h30, Espagne contre Zambie. Et puis à 8h, l'équipe Canada, nous avons quitté le groupe, quitté, bité dans la première sortie là. Et bien, Canada a rencontré avec la République d'Irlande.
Donc, son bel match tout pour nous surtout rappeler que Irlande, oui, était perdu devant l'équipe australienne. Donc, il n'y a pas de gens qui comprennent, non, ce n'est pas facile. Donc, nous allons suivre encore. Et puis, pour nous parler de sélection nationale haïtienne, nous-mêmes, nous avons bon courage, bonne chance. Nous suivons les réseaux, toute plateforme là, Voix de l'Amérique. Nous avons deux reporters sur place. Cap vous imaginez ben non, cap vous interviewez ben non, cap vous activez ben non. Donc monsieur sur place et je crois que Haïti pas de service et Yunan Joelio c'est l'image, c'est un défenseur et nous appelons qui des Ponzo Boy dans match face à l'Angleterre là, des mamzelles ont déchiré ligament et il a semblé d'après opération, d'après sa médecin a dit, eh bien il n'y a pas qu'à toucher un ballon. Tandis que j'en ai dit là, d'après ça, tout qui a voté. Il n'y a pas qu'à toucher un ballon pendant 9 mois. Ensuite, il y a un travail de récupération qui va se faire. Donc, il va faire une opération. Il y a une opération dans le genou, parce qu'il y a un problème de ligament et de suivi de Haïti. Mais, d'après l'entraîneur de l'Épine, il y a un autre joueur qui était remplacé. Qui devait renverser l'image. Après, il était plus fort que lui, quoi que je sois capable de jouer dans la place. C'est vrai, il dit son gros père, parce que c'est un bon défenseur. On faisait solide dans le coin, le côté de l'IA, il n'y a pas dans le jeu dans le monde. Mais, il dit, bon, ce boy là, il n'est pas capable de jouer pour la sélection nationale là encore pendant 9 prochains mois, après l'opération. Mais ça, après ça, médecin le fait qu'on est. Il a semblé que lui et moi prenne parole, nous, mon frère. Accrédité et qui a des informations tout. Et il dit que, d'après sa médecine, il dit, et madame, mademoiselle Limage, dehors pour 9 mois. 9 mois sans aucune activité à faire football, un ballon, à faire chaîner un ballon, pas de ballon, ça du tout. C'est repos complet pour capable pour jeune, capable de guérir. Et puis après ça, capable de commencer. Mais eux, ils sont beaucoup pliés pour Haïti, dans le moment que Haïti a besoin de service. Mais Haïti pour jouer face à la Chine. Macha, mes amis, si nous besoin de dormir bonheur. Macha, à 7h du matin, heure d'Haïti, heure Washington. Donc, nous-mêmes, préparez-nous pour nous assister en tant que là. Haïti besoin de support, que ce soit c'est de loin ou de près. Nous sommes sur place, qui nous sommes à la super sélection nationale Haïti. Mais tout le monde espère que si Haïti joue face à l'Angleterre, et dernièrement, si Haïti joue au même genre, eh bien, l'équipe chinoise capable d'un problème. Mais cependant, me rappelez nos bagages. La Chine, tout le temps, a perdu match d'ouverture là tout. Donc, même si avec Haïti, la Chine a perdu 1-0. Donc, devant Danemark. Donc, si la Chine a perdu, la Chine, tout le temps, a venu de victoire tout. Parce que, pas une équipe qui vient faire mon cadeau. Haïti a besoin de victoire tout comme la Chine a besoin de victoire tout. Donc, nous comprenons ça veut dire pour Haïti et nous connaissons que la sélection nationale comprend ça, Chinois comprennent ça tout, la sélection nationale n'a pas fait la Chine cadeau, tout comme la Chine n'a pas fait Haïti cadeau et Haïti n'a pas fait le cadeau. Donc, tous les équipes qui jouer pour une victoire et une victoire, quelle que soit l'équipe qui remporte là, l'important pour lui, la Kimberley en course là, pour voir s'il t'a passé dans la prochaine rencontre, si qui ça t'a passé dans la prochaine rencontre, pour qu'il soit capable d'arriver, aller dans, qui ça encore? Faire des choucages là. Ok, mes amis? En tout cas, Valéo Saint-Louis, côté à l'autre bois là, dans Adélaïde, oui, gros salutations pour nous, monsieur Mapsu, nous, bon courage, bon travail, et gentil Auguste, bon travail, et Kembe Fem, là, la paroisse, nous connaissons, surtout le travail avec fuseau horaire, et fuseau horaire, c'est que, on ne peut pas travailler sur le côté, non, on va travailler sur le côté des spectateurs. Et que même là en Australie, ou toujours travailler sur le Washington. Donc, c'est vraiment difficile. Les gens dorment, les sages, clairement, même, et les gens dorment, ou réveillent les sages. Donc, nous avons compris ça. Les gens de la terre est ronde, la terre est ronde, vraiment. Bon? Donc, monsieur Sarah. Bon travail, monsieur. Et Peter Jacqueline Nakala, et Rodriguez Latour, chercheur de Savinito, donc ça veut dire que moi, Latour, donc nous tout le temps pour te coller, préparer un bon programme pour nous, et puis te brancher sur le programme nous. Et pour nous connaître qui ça, nous avons besoin d'Australie. Et moi-même, dès à parler de ça, je parle pour nous-mêmes, je parle surtout de questions et bouche nouvelle, sa administration trouvée avec le gouverneur de l'État de Texas, Greg Abbott,
qui bien plusieurs façons que tactique une là dedans c'est mettre tout immigrant dans autobus et puis voyer dans ville état qui est républicain et qui est démocrate capturé et une là dedans c'est Washington, l'autre là c'est un autre encore c'est New York, un autre encore c'est Chicago. Donc c'est ça que le gouverneur a fait et son bar qui pas fait de son plaisir. Bonsoir tout le monde. Bye bye.